Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui à la fraîche dans l'Indre-et-Loire, de retour à l'ETH Chevalier. Rappelez-vous cet été, chantier de moisson avec les deux CR, un Massey 8737 et un transbordeur Perard. Une vidéo qui a dépassé les 800 000 vues sur le Wagri. Et aujourd'hui, on se retrouve ici de nouveau pour les semis de maïs avec une belle équipe Massey et une belle équipe Gaspardo. Bonne vidéo à tous. Salut Loïc. Salut Loïc. Tu vas bien? Ça va. Bah écoute, bienvenue chez nous. De retour. Ouais, de retour. Ouais, t'étais venu cet été pour les moissons, mais sur un autre site. C'était pas ici. Donc là, on est au siège. Ça tourne déjà plein pot. Et bah ouais, ils ont attaqué de bonne heure ce matin. Voilà. Puis une journée compliquée s'annonce avec la météo, puis le chantier qu'on t'a réservé aujourd'hui. Semis de maïs, tu supposes? Ouais, les semis de maïs, on est en plein dans les semis, un peu encore d'épandage et puis récolte de fourrage, donc c'est un peu chaud, quoi. C'est le rush. Ouais. Bon, impeccable. Ouais. Je te propose qu'on prenne un petit café avant et puis on fait le tour du parc et puis après on y va. Avec plaisir. Salut. 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 Donc là, tu vois, c'est notre atelier, notre dernier bâtiment, là, il y a 4 ans maintenant. Ouais. On t'a. Ah puis c'est tout propre en plus. On t'a aligné les trois ensembles de la journée. Impeccable. Donc voilà les trois ensembles de la journée. Donc le 8740 avec la nouvelle Hertz Machio isotronique en 7 mètres. Ouais. Donc Isobus. Voilà, Isobus, ouais, le 8737 avec la 6 mètres taureau. Et puis le 6718 avec le nouveau Smart chez Machio, le chrono. Voilà. Impeccable. Ouais, donc on va essayer de se dépêcher avec les météos qui menacent un peu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le client nous attend. On a une parcelle de 18 hectares. Bon, je pense qu'avec des ensembles comme ça, on n'a pas forcément pour très longtemps. Non. Donc on va essayer de. Si on peut juste faire une petite photo devant le bâtiment, écoute, on aligne un peu tout. Et on dit au gars de s'aligner avant de partir. Et je fume tout ça. Allez, on se retrouve à la parcelle tout à l'heure. Ça tourne depuis un moment, on a déjà largement une grosse heure, là. Il y en a une bonne partie du fait. Pour ceux qui suivent vraiment, qui ont vraiment l'œil, on est dans la même parcelle, sacrée coïncidence en tout cas. Ouais, ça c'est la même parcelle que la moisson de cet été. Ça t'a permis de pouvoir retrouver les lieux rapidement d'ailleurs. C'était assez facile. Et là, l'objet aujourd'hui, c'est une démonstration de nos établissements Central Garage avec qui on bosse énormément en partenariat matériel. Et qui nous présente la nouvelle Hertz Machio Gaspardo Taureau 7 mètres isotronique qui est gérée uniquement par Isobus. Ouais. En quoi ça consiste tout simplement? Ça nous permet d'avoir une gestion de la machine, de la profondeur, à la fois profondeur de travail, profondeur de la barre niveleuse, la gestion du couple des boîtiers, les températures de boîtiers qui sont indiquées en cabine. Tout vraiment sur le boîtier. Voilà. On voit le 9 cm là. Voilà, tu peux sélectionner. Centimètre par centimètre, je règle ma profondeur. Alors ça, elle a un intérêt majeur cette machine, c'est que ça nous permet, nous qui sommes dans une région où
l'hétérogénéité intraparcellaire est assez forte, ça nous permet de pouvoir rentrer nos cartes de topographie de sol et puis de gérer la profondeur de travail de la machine en fonction des hauteurs de terre disponibles. Ah, donc toi, ta même longueur, un poil va être à 6, voilà, un peu à 12. Exactement, voilà. La gestion de la barre niveleuse avec des ronds d'argile, ça va nous permettre de la descendre pour émietter plus facilement, d'avoir essayé d'avoir un rendu derrière le paquet qui soit similaire en fonction des qualités de sol. Ouais. Voilà. Oui, chose que tu ne faisais et bien évidemment jamais avec ta rotative, il faut régler à la main. Exactement. Et puis ça nous permet aussi des fois sur des anciens passages de traitement ou des bouts de champ où il faut descendre un peu de la profondeur. Bon, et s'il faut remonter aussitôt, des fois on ne descend pas forcément pour le faire manuellement, tandis que là de la cabine, on peut le régler indépendamment, c'est beaucoup plus confortable. Mais c'est la. C'est pourquoi la première, enfin, c'est une des premières machines qui doit être en France. Ouais, aujourd'hui c'est la seule machine du Machio Gaspardo qui tourne en France et voilà, qu'on a pu essayer aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'essayer l'évolution en machine sur ce genre de commerce rotative. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y ait besoin d'avoir une gestion isobus et pourtant, voilà. C'est pas indispensable, je pense, mais c'est un énorme confort. Est-ce qu'on travaille jusqu'au bout? Ouais, et surtout sur des hydrogénités de sol, c'est important. Ouais, c'est clair. Et puis sur des grosses terres, notamment des terres argileuses, on a le couple par boîtier qui est indiqué, donc ça nous permet aussi d'adapter notre vitesse d'avancement en fonction de comment force le boîtier. Ouais. Voilà, chose qu'on n'a pas forcément sur d'autres rotatives. Ouais, peut-être aussi si tu as trop de puissance, des fois si tu as qu'un gros tracteur de tête, voilà, j'ai voilà, voilà. 500 chevaux. Exactement. Il n'y a pas besoin d'abîmer. Ça permet de ne pas souffrir, faire souffrir la rotative. Ouais, c'est bien aussi. Au niveau du semoir, du coup, on trouve ton petit, ce qu'on disait ce matin, l'occasion aussi pour Machio de nous mettre leur chrono qu'on a déjà essayé l'année passée. Et voilà, il est important de l'essayer dans plusieurs conditions. Donc rappelons l'élément monograine chez Machio Gaspardo, c'est un élément qui est un peu hybride. J'aime bien s'approprier ce terme. Pourquoi? Parce qu'il a à la fois la partie dépression pour tout ce qui est sélectivité de graines, comme on peut connaître dans tout semoir. Et puis il y a la régularité sur le rang qui est souvent en partie due grâce à la pression d'air qui transporte la graine au sol. Et là aujourd'hui, l'élément du chrono nous permet à la fois de gérer la dépression pour la sélectivité du grain et à la fois le transport du grain par pression qui sur une graine légère comme le tournesol peut être adapté indépendamment de la sélectivité. D'accord, ouais, intéressant. Un avantage plus, aussi. Tu peux rouler aussi. Vite, ben... Ouais, bah là on est entre 15 et 20 km/h. Ouais. Ce qui limite la chose, c'est le débit des micros et les mottes et pierres sur la parcelle. Mais bon, voilà, on a chipoté à un moment donné, on se met du tournesol entre 15 et 20 km/h. Si on fait la moyenne sur une saison, on arrive à faire des hectares. Et ça commence à faire, voilà. C'est sûr. Le matin, t'as vu partir la tonne, je sais pas où t'en es dans tes prises de vue, mais là on va terminer la parcelle. Une parcelle où on a 15 bon hectares de fait, ça fait une heure qu'on tourne. Je sais pas si jamais tu veux aller filmer la Sanson, parce que la Sanson elle est encore sur les chantiers d'épandage de Digesta et Lisier là. Donc je sais pas si tu as du temps pour aller la filmer. J'ai un peu de route, mais je vais m'arrêter au moins 5 minutes pour aller filmer ça, parce que c'est un peu de gueule quand même. Tu vois, c'est en rampe de combien là? Et ben, on est en rampe de 24 mètres, Ça commence à faire une belle. Célestin, t'auras un plaisir de te présenter son chantier. Eh ben impeccable. Ouais. Eh ben, je te refilme encore un petit peu la fin du chantier, puis j'irai la voir, t'es impeccable. Pas de problème. Ça y est, fini? Ouais, voilà Loïc. Bah écoute, les rotatives vont terminer, on part changer de secteur cet après-midi. Ouais. Voilà, je sais pas si tu veux nous suivre ou partir voir la tonne comme t'avais dit. Moi je pense que j'ai assez, donc je vais aller voir la citerne. Ouais, ok. Il lui reste beaucoup de temps, t'avais. Ouais, je pense qu'il va finir son chantier dans 1h30, 2h. Ouais. Donc j'ai une petite demi-heure de route, Je vais faire 2-3 images histoire de 2-3 vues au drone, tout ça. Bon, impeccable, donc, encore merci pour l'accueil. Bah écoute, je t'en prie, c'est un plaisir comme à chaque fois. Un beau chantier tout rouge. T'as vu la nouvelle Hertz Machio. Impeccable. Dernière technologie, voilà. Bon, bah nickel. Et bah écoute, merci bien. Merci à toi. Je te souhaite une bonne route et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. Bon, et bien voilà, je viens d'arriver sur le chantier d'épandage de Lisier, comme c'était convenu avec Louis. Et bien vous savez quoi, je vais vous donner rendez-vous mercredi prochain pour cette vidéo parce que c'est un trop bel ensemble pour le mettre au bout de la vidéo du SMI. Donc on se redonne rendez-vous mercredi prochain sur le Hogri pour voir ce magnifique ensemble en vidéo. Et j'espère que cette vidéo sur le SMI de tournesol avec le TH Fallier et les Beaumassé et les Gaspardo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !